Mado TV, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir dans votre émission. Alors, vous êtes directrice générale de la BGFI, qui est la première banque en Afrique centrale. Absolument. Je dirige la filiale BGFI Banque Bénin. Voilà. Très bien. Et donc, évidemment, vous êtes constamment, vous côtoyez en tout cas le pouvoir, plus le pouvoir économique, puisque quand même, sans argent, comme disait ma mère, l'homme n'est rien, mais bon, n'exagérons pas. Mais dites-moi, que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, le mot pouvoir pour moi signifie influence, signifie action. Cette capacité d'influencer et d'agir de manière positive. Voilà. Très bien. Est-ce que cette influence, elle se traduit différemment sur votre vie professionnelle que sur votre vie personnelle? Elle se traduit sur la vie professionnelle, je dirais que c'est le fait de gérer une équipe, de gérer une banque de 130, 140 personnes et de les amener en fait à atteindre un objectif. Donc oui, c'est une responsabilité, c'est une influence. Et sur le plan personnel, je dirais que c'est dans l'éducation, c'est dans la manière de gérer sa famille et dans l'éducation qu'on donne parce qu'on est un exemple quelque part. Donc voilà les deux manières, je dirais, dont je gère. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Définitivement oui. Définitivement oui, parce que, en tout cas personnellement, je dirais que la femme a une manière plus souple, plus diplomatique, plus persuasive de faire passer son pouvoir. Elle joue justement sur ce côté féminin. Donc oui, nous atteignons le même résultat, qui est d'asseoir son pouvoir, mais de manière un peu différente. En utilisant des armes différentes. En utilisant des armes différentes, absolument. Et comment arrive-t-on à préserver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle quand on est une femme de pouvoir, quand on est autant sollicitée et qu'on a autant d'engagement à l'extérieur? Alors je dirais que l'équilibre de la vie familiale, de la vie privée, pour moi, est même nécessaire pour réussir sa vie professionnelle et pour réussir justement à rester une femme de pouvoir, tout simplement parce que ça épanouit. Alors comment, je pense, en ménageant du temps pour sa famille, et puis surtout en ayant justement un conjoint et des enfants compréhensifs et qui nous soutiennent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent chez toutes les femmes qui disent le choix du conjoint, il est fondamental. Absolument. Donc, vraiment, je passe un message, quoi. Absolument. Parce qu'il faut, pour réussir, il faut que le conjoint nous soutienne. Et quand il nous soutient, ben, tout va bien. Quand tout va bien à la maison, on est prêt à soulever des montagnes au bureau. C'est vrai. On dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Et qu'en pensez-vous? Oui, je pense que quelque part, peut-être en termes de temps, en termes de disponibilité, parce qu'on voyage beaucoup, parce qu'on travaille tard, parce qu'on a la tête pleine de tellement de préoccupations, qu'on peut parfois effectivement être moins disponible. En ce qui me concerne, je dirais, oui quand même, je prends juste le cas de mes enfants. Entre mon aîné qui a 20 ans et mon dernier qui a 10 ans, il est clair que l'aîné, quand il était dans les petites classes, je l'ai beaucoup suivi. Je n'étais pas encore au poste où je suis. Et le dernier, par contre, qui a 10 ans, depuis qu'il est petit, c'est vrai que je le suis beaucoup moins. Je joue toujours mon rôle, bien sûr, mais je l'ai mieux joué, je l'ai plus joué. Donc oui, je pense que j'ai peut-être sacrifié un peu de temps, un peu de disponibilité, tout en essayant de rester, bien sûr, une mère présente, bien sûr. Si vous avez un conseil ou un message à délivrer aux jeunes filles qui souhaiteraient accéder au pouvoir, qu'est-ce que vous leur direz? Quel serait le point de vigilance que vous leur direz d'avoir? Je leur dirais, soyez engagés. Croyez en ce que vous faites et croyez-y à fond. Mais vraiment, soyez engagés. Je pense qu'on ne réussit quelque chose que quand on y croit et quand on est engagé vraiment fermement.
Donc, c'est ce que je leur dirais. Soyez engagés, soyez impliqués. Faites tout ce que vous avez à faire, faites-le à fond et faites-le bien. Servez d'exemple à la limite, comme ça les autres vous suivront. Très bien. Voilà. En parlant d'engagement, un sujet qui nous tient à cœur, c'est la question de l'emploi des jeunes, puisqu'on est tous des parents. Donc, bien évidemment, on a un regard sur l'avenir, mais aussi sur la situation actuelle. Vous, de par votre position, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour réduire peut-être le taux de chômage auprès des jeunes diplômés, notamment au Bénin, même si c'est un sujet qui est universel, hein? Écoutez, c'est vraiment un sujet crucial. Je pense que, et au niveau de BJFI Banque Bénin, et même au niveau de la plupart des autres banques, par exemple, nous recevons beaucoup de demandes d'emploi que nous ne pouvons malheureusement pas, bien sûr, satisfaire en totalité. Donc oui, il y a sûrement des choses à faire, peut-être développer l'auto-emploi également. On peut trouver des projets, très certainement. Trouver des nouvelles structures, voir quels sont les axes de développement. Ça peut être dans le numérique, ça peut être. Il y a sûrement des secteurs, je pense, à défaut de développer l'emploi dans les entreprises Présent. existantes. Voilà. D'accord, très bien. Donc en tout cas, l'entrepreneuriat Oui, pourrait être une bonne l'auto-entrepreneuriat option. pourrait être une piste, en tout cas un complément. D'accord. Et du coup, le secteur bancaire pourrait Si les projets avoir besoin. sont bons, oui, bien sûr. Je pense que comme partout ailleurs, on doit pouvoir accompagner des projets qui sont intéressants et qui sont porteurs. Bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Alors, on a parlé des jeunes. J'irais un peu plus bas que les jeunes. Moi, je parlerais de l'éducation des enfants. Parce que je pense que tout commence par là. Tout commence, une nation, un pays, tout commence par l'éducation des enfants. Donc, moi, je dirais, veiller à ce que tous les enfants aient accès à l'éducation et à la L'éducation. bonne éducation. Oui. Très bien. Et si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je dirais un aigle. Pourquoi? J'aime bien Parce l'aigle qu'il parce qu'il est vole. libre, il vole. Il est puissant. Donc j'aime bien cette notion de puissance. Il voit très Et il voit loin. très loin, et il a une vision globale. Donc c'est tout ça qui me fait, je vais dire, m'assimiler, entre guillemets, à un aigle si j'étais un animal. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet. Quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, j'ai ramené quelque chose que j'utilise, tout simplement. Un stylo. Très bien. Un stylo Monamba. Alors, un stylo. Les stylos Monamba, en fait, c'est des stylos faits par un créateur qui. Africain. Africain. Non, un créateur français, mais qui D'accord. se base sur la culture africaine. Donc, en D'accord. fait, j'aime bien appeler ça des Mont-Blancs à l'africain, tout simplement. Parce que vous voyez, en fait, ce sont des masques. Oui. Ce sont des masques. Et après, on peut graver. Bon, là, c'est vrai que c'est le drapeau du Bénin, par exemple. Mais tout le stylo est fait. Voilà. Et donc, pour moi, un stylo, c'est une signature. Et une signature, c'est le pouvoir. Et puis, pourquoi ce stylo-là? Parce que justement, je le trouve très élégant, C'est très vrai. fin. Ouais. Et pour moi, ben, la Je peux femme, le c'est voir? l'élégance, c'est la C'est vrai. finesse. Voilà. Absol Ah oui, il est très bien travaillé, dis donc, Voilà, hein. exactement. En effet. Très Voilà. bien. Est-ce que vous avez une devise ou un proverbe qui vous illustre ou qui vous inspire? J'ai coutume de me dire en fait que dans la vie tout n'est pas fait de réussite. Donc il y a une phrase de Winston Churchill que j'aime bien, qui dit que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. Parce que je me dis, chaque échec que je peux avoir ou chaque obstacle que je peux rencontrer, et Dieu sait qu'il y en a, doit juste me servir pour rebondir et pour continuer et ne jamais me décourager, en fait. Donc voilà. Très bien, c'est très beau. Merci.
Si une fille regarde cet entretien et déclare, quand je serai grande, je veux être Myriam Adotevi, vous lui diriez quoi? Alors, je lui dirais d'abord merci, j'apprécie. Mais je lui dirais, sois toi-même. Regarde ce que je fais. Prends exemple sur ce qui te paraît bon, mais garde ta personnalité et reste toi-même d'abord. Voilà. Bah, c'est sur ces mots, notre entretien touche à sa fin. Merci. Donc, en une phrase, pour Myriam Adotevi, le pouvoir, c'est... C'est comme au début, le pouvoir, c'est l'influence. L'influence positive. Très bien, donc le pouvoir, c'est l'influence positive. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous, Caroline.